Qu'on a lancé la Coupe d'Europe, première fois que je suis arrivé au club avec Laurent, on a dit qu'on voulait rejouer, redevenir une équipe qui rejoue l'Europe. Ça ne veut pas dire que l'équipe ne la jouait plus, mais voilà, c'est l'équipe a un passé européen avec une finale 2005 et une finale 2001. Donc nous, on avait vraiment envie de remettre la Coupe d'Europe aussi au centre du projet, parce que ça veut dire que si tu la joues, ça veut dire que toute l'année, il faut te qualifier à les 6. Tu le dis d'une manière différente. C'était un peu la vision qu'on avait au début, qu'on a partagée avec le staff, puis avec les joueurs, et avant le premier match de Coupe d'Europe, qu'on a partagé avec l'ensemble du club pour être aussi aligné avec l'administratif. On va se tester à ce qui se fait de mieux, non seulement en Europe, mais je pense aussi pas loin du monde. Donc pour nous, ça va être une très belle occasion d'augmenter notre niveau de jeu pour l'équipe, pour le club, pour la compétition après pour le top 14, et puis de faire grandir ce club, parce que je pense que c'est le projet avant tout, de grandir. À nous d'être pragmatiques, de savoir les punir au bon moment, et comme la plupart des matchs à l'extérieur, il va falloir être fort en conquête, défense, il va falloir être précis, et la moindre opportunité, il faudra la saisir. Lying fifth in their domestic league, take on Sale, lying at the top of theirs. C'était pour nous l'entrée en Coupe d'Europe. Le match de Sale, on est dedans, on est dedans à la mi-temps. Et après, en seconde mi-temps, on explose, on finit par prendre 40 points, donc c'est décevant. Contre Leicester, pareil, match à domicile. Et voilà, on finit par ce match. Ouais, je pense que c'est le match qui nous donne le plus de regrets, parce que Leicester était venu et on aurait pu faire un gros match. À la fin, on a 2-3 occasions de marquer et de finir avec le bonus offensif. On fait un avant, un mètre de l'embut. On a 3-4 opportunités en fin de match qui font qu'on peut à la fois basculer sur et la gagne et le bonus offensif, qui fait qu'on aurait eu avec 5 points, on aurait joué la qualif sur le dernier match, parce qu'on sait qu'avec 2 victoires, on peut se qualifier en 8e. Donc je pense que c'est le match qui nous a le plus frustré dans cette poule. Ouais. Prépare un peu comme tous les matchs, mais on sait que ouais, voilà, c'est quand même la Rochelle, ils avaient besoin de points, ils étaient dans une situation compliquée à cette époque-là, donc non, c'était un match un peu un match piège. On gagne ce match, donc ça c'est le plus important. On sort frustré de ce match parce que je pense par rapport au contenu, par rapport à la physionomie du match. On avait un peu de. C'était un sentiment mitigé de. On était satisfait d'avoir gagné, mais en même temps, il manquait un peu une saveur particulière. Sera un match intéressant aussi pour tester
tester votre groupe, tester votre équipe, votre caractère, dans un contexte où vous savez là-bas comment ça se passe. Ce sera intéressant. On aura le temps d'y revenir. Pour le top 14, c'est long, c'est compliqué chaque week-end. Félicitations, on a gagné contre la Rochelle, c'est bien, il faut savourer. Un peu plus de joie, allez, des sourires. Ouais. Voilà. Allez, tchou, si c'est. Après la Rochelle, ouais, on a bien coupé. Ouais. Franchement, les coachs ont été. Le staff a été vraiment cool de nous laisser 3-4 jours. Ça faisait des années, je pense, qu'on n'avait pas eu 3-4 jours pendant la période des fêtes. Donc ça a fait du bien de rentrer un peu chez soi, passer les fêtes en famille. Quand tu prends des vacances ou quand tu as quelques jours et que tu es quand même bien positionné dans le classement, que tu as fait le taf avant, c'est différent quand tu pars et que tu es un peu la crotte au cul. Donc ouais, on est allé à Toulon pour faire un gros match. Beau là-bas, ça va être top. Franchement, ça va être une putain d'ambiance, on va se régaler. Ça va être énorme. Par contre, il faut qu'on soit acteur. On ne peut pas être là-bas et être timide et pas acteur des choses. On va faire un gros match là-bas. Vous allez vous régaler. Non, là-bas, voilà, on savait que ça faisait quelques années que les matchs à Toulon, ça faisait plus de 2015, je crois qu'il n'y avait pas eu de victoire. On avait envie de faire un gros match, on savait que si on démarrait bien le match, on pourrait coller, c'est ce qui s'est passé. On n'a pas réussi à concrétiser les points, mais on était collés, on a réussi à les pousser un peu dans les retranchements. Je crois qu'il y a une séquence qui dure 5-6 minutes à la 50e où ça peut basculer pour nous ou pour eux, on arrive à mettre de la ligne. Je crois que c'est Kylian Hamdaoui qui récupère un ballon qui tombe à mettre de la ligne. Je pense que si on marque, on peut très bien basculer pour nous. Et c'est aussi une forme de frustration parce qu'on doit repartir avec au moins un point ou autre chose. Mais on a vu qu'on était parti là-bas en mode combattant. Bah, clairement, c'est une équipe qui monte en puissance un peu depuis le début du championnat. On savait que ça allait être un gros match. Ils avaient perdu chez eux face à Bordeaux. Donc forcément, ils allaient venir revanchard chez nous. Je viens de dire, le match un peu haché, un peu quelques scories, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de jeux. Ça s'est joué un peu voilà, à des pénalités, à bataille en conquête. Et après, voilà, on était mené tout le match. Un peu miraculeusement, on arrive à marquer cet essai en fin de match. Et par contre, ce qui est positif contre Clermont, c'est qu'on a réussi à aller chercher dans la dernière action le match nul, qui quand même, les deux points sont importants, de ne pas perdre à la maison et d'aller chercher ce match nul. Donc il a fallu une vraie forme de caractère. Alors non, franchement, pour le coup, vraiment pas de stress. Beaucoup d'envie surtout. Enfin voilà, aujourd'hui on sait que le Leinster, ils sont deux fois finalistes. C'est à quelques jours près, c'est l'équipe d'Irlande, c'est ce qui se fait mieux dans l'Europe. Le score, au final, on le voit, il est là. Maintenant, quand on regarde le contenu, c'est vrai que sur la première mi-temps, on est loin d'être déméritant. Je pense qu'on s'en sort avec un score qui est plutôt correct, même si on se doit et on peut faire largement mieux par rapport à ce qu'on a proposé. Ensuite, sur les Stormers, voilà, enfin, on savait que la seule Coupe d'Europe qui nous restait à jouer, c'était la Challenge Cup. L'un des seuls moyens de se qualifier, c'était de gagner avec le bonus offensif. Malheureusement, on n'y est pas arrivé, on n'a même pas réussi à gagner. Donc voilà, on voit réellement la difficulté de cette Coupe d'Europe sur des moments comme ça. On n'y passe pas loin, on sait que c'est, le club veut et souhaite jouer les deux compétitions. Maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire pour pouvoir réussir à jouer les deux compétitions au mieux l'année prochaine. Je sais que c'est important pour tout le monde de sentir qu'il y a une énergie et qu'il y a une volonté de soutenir l'équipe, d'encourager, de se battre. Voilà. Après, on sait que vous attendez les résultats et croyez-moi que on est tous focus pour y arriver et pour vous donner ce que vous avez envie. Mais en attendant, voilà, moi en tout cas, en tant que directeur général, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites et vous dire que voilà, le Stade français avance et que le Stade français progresse. Non. Ouais. Regardez quoi.
Regarde le cas. Star Léo. Bon, Andy, t'es une star maintenant. Ouais, faut arrêter, non mais j'ai pas compris, il a marqué un essai. Ouais, ça y est. Exactement. Il a marqué un essai. Un essai, c'est bon. C'est une star maintenant, non? Ah, maintenant c'est la star. Hein. C'est la star maintenant. Voilà, bah, enchaîné, Toulouse ici avec la grosse équipe, La Rochelle ici, Clermont. Voilà, après, il y a eu cette Coupe d'Europe qui fait qu'on a cette impression-là, mais j'étais assez focus avec mon staff sur la vision qu'on avait d'avoir un effectif compétitif sur la durée et de mettre des joueurs des fois au repos, de bien les préparer pour arriver à enchaîner cette période. Et à Bordeaux, on avait une équipe qui était déterminée à aller faire un gros match. That's that. Okay? You focus on your job. What do you need to do? Okay? What do you need to do? So when we go there on the weekend, what do you need to do so we can get a positive result? Okay? Think about that. A lot of time before tomorrow. One on Riga demain, tout le monde. 100% éclaté. Okay? Si on fait ça, the rest is easy. The rest will take care of itself. Okay? Bah, on savait qu'ils étaient diminués quand même avec les joueurs qui étaient en équipe de France, ils en avaient pas mal. Donc pour nous, l'objectif était clair, c'était d'aller jouer chez eux et d'essayer de les laisser chez eux et un peu se nourrir de leurs erreurs, étant donné qu'ils allaient avoir moins d'automatisme. On s'était tous dit que ce match était important pour nous et voilà, il fallait vraiment qu'on gagne. Bah, en début de match, on encaisse quand même pas mal de points. Mais après, voilà un peu ce qui fait notre force. On a su revenir dans le match, on n'a rien lâché. Je pense qu'au final, on s'en sort plutôt bien une fois qu'on s'est réveillé. On remonte presque l'égalité sur la fin de première mi-temps. Et après, le match un peu fou, où il y a des essais de partout. Et à la fin, il y a Steph qui intercepte le ballon et qui les crucifie. De base, je comptais pas l'intercepter. Je comptais monter sur le gars et finalement, j'ai vu que sur le temps de passe, je pouvais l'attraper. Alors, je me suis pas gêné. L'état d'esprit a été super important par rapport à ce match et on l'a montré jusqu'à la fin. Ouais, ça faisait du bien à la tête et ça faisait du bien d'aller gagner à Chaban dans un stade plein. C'est vrai que c'est pas facile et vraiment c'était une équipe qui ne réussissait pas. Donc là vraiment c'était que du bonheur, que du bonheur. À Bordeaux, yes! Vas-y. Merci. J'ai dit une chose avant le match. Collectivement, on gagne ce match. Collectivement, ok? Et c'est ça. C'est ça le stade français, ok? C'est ça notre standard, ok? Mais on n'a pas de fini, ok? On n'a pas de fini, ok? C'est une gagnée. It's one win. On a gagné le top couteau ce soir? Non. Ok? On fait une bonne semaine, une grosse semaine. C'est cette semaine. Okay? On gagne, on est là, ok?
on gagne au winner. On gagne au winner, ok? Allez. Bonjour à tous. Je vais faire un peu le traducteur s'il y a besoin. Rien accès le compte keep est à chez eux. Ils sont très bien en tant que pour nous. C'est très important d'être physique et quand on a le ballon, on joue. Mais c'est sûr que la victoire a fait du bien à toute l'équipe et surtout à tout le club, quoi. On est tous ensemble, on est tous dans le même bateau. Ça, c'est là où on va aller tout à l'heure. On le sait. Donc, pas de surprise. Pas de surprise dans tout ce qu'on a dit, dans tout ce qu'on a préparé. Il reste encore un peu de temps, un peu moins de 2 heures pour aller là-bas, pour qu'on ne soit pas surpris. Mais les mecs, comment ils vont jouer? Un mois après, Toulouse, on leur met 30 points à la maison. La semaine après, on va prendre 30 points à Seille. Un mois après, on reçoit La Rochelle, on n'a pas gagné 3 matchs. On bat La Rochelle, la semaine après, on bat Toulon, on perd à 0. On refait la Coupe d'Europe, on fait un expo à Bordeaux. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Chaque fois qu'on a fait une très belle perf, derrière, on n'a pas réussi à enchaîner. Donc pour arriver en fin de saison à être capable d'enchaîner 2 ou 3 matchs de phase finale, eh bien, il faut être capable d'enchaîner. Et là, mentalement, psychologiquement, il fallait être prêt. Donc on a eu des joueurs déterminés à ne pas penser aux vacances et à penser à ce match à Ohio, qui était un match important. On savait qu'ils jouaient leur vie aussi. Même chose, on a été mené au score. On a réussi à ne pas lâcher et basculer avec un état d'esprit qui était remarquable. Fait qu'on a réussi à enchaîner 2 matchs d'affilée et c'était important. Let's go! Jusqu'à. Restant. Maintenant, vacances. Belle victoire, Jérém. Oui, très bonne victoire. Arroyo, à Bordeaux, Arroyo. On peut prendre ça maintenant. Sergio, les gars, félicitations, bravo pour ce que je t'ai dit. On a été capable d'enchaîner 2 performances à la suite, donc ça c'est bien. Ok, je ne sais pas si vous avez les résultats, mais nous on les avait, notamment le match du Racing avant. Donc on est premier. Si on veut être à l'heure au mois de juin, il faut prendre les points. Janvier, février, mars, il ne faut pas attendre. D'accord ? Tout ce qui se présente à nous, il faut comprendre. Le Stade Français est premier, ok? On fait une très bonne retour dans la bus, ok? Très bonne vacances, mais quand on rentre, ok? On race premier, ok? That's our standard now. That's our fucking standard. Off we go. Merci mec. Yeah! Vous l'a dit, hein? C'est à la fin qu'on va être payé. C'est fait niquer l'année dernière, vous n'allez pas vous faire niquer la deuxième cette année. Après, passez des bonnes vacances parce que vous les avez méritées. Et après, pour les maillots, ce qui est dit est dit. Donc vous les gardez. Yeah! La fois d'après, ce sera pas 2, pour les avoir, ce sera 3. Mais c'est ça! Paris! Mais c'est ça! Paris! Joyeux les gars!